Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lina pas organisée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous souhaite une bonne année 2024. Aujourd'hui, on va tester le pain de Auchan. Action. Abonne-toi et mets un pouce bleu. Merci. On commence la vidéo. C'est parti. Et coucou les amis, ben voilà, la présentation a été faite par ma fille, donc elle a baptisé la chaîne Lina pas organisée. Elle s'approprie cette vidéo, c'est pas grave, on va la laisser. On m'a demandé la vidéo pour le test des poux, du peigne pour les poux, donc on va tester. J'ai mon cobaye qui est juste ici, donc voilà, c'est Lina. Elle a 6 ans, elle est au CP, sa première année de CP, et voilà. Est-ce que vous trouvez qu'elle a bien parlé? Alors, elle était stressée comme pas possible, mais je trouve qu'elle s'en est sortie comme une championne. Bravo à toi, Lina. Merci. Voilà, on t'applaudit. Allez, maintenant, ça va être mon cobaye. On va tester la brosse qui est à 3,50€ de chez Action. On va voir si ça marche vraiment. On va passer à côté. Notre cobaye est là. Vous voyez, ses cheveux sont déjà peignés. Bon, à mon avis, entre-temps, il a dû avoir des nœuds, mais bon. Allez, c'est parti. On va l'ouvrir ensemble. Alors, du coup, je me suis munie d'une pile parce qu'elle n'est pas fournie. Alors, comment ça se présente? On a la petite brossette juste ici. On a le peigne. On va tout enlever. Donc, il se présente comme ceci. Et la pile, elle se met juste là-devant. Bon, j'espère que ma pile, elle va marcher. Donc, on vient mettre la pile. Je viens refermer. Et alors, je sais pas si vous entendez, ça fait un petit bruit. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais venir lui peigner les cheveux. Alors ça, c'est une brosse que j'ai prise sur Shein, il me semble. Elle est magnifique, franchement. Elle qui craint les cheveux, eh ben du coup, avec celle-ci, elle ne les craint plus. Donc, mets ta tête droite, s'il te plaît. Merci. Donc là, je vais venir séparer les cheveux. Essaie de pas trop tourner ta tête, s'il te plaît. Oui. Voilà, pour organiser. Donc là, je vais venir séparer. Je vais prendre juste une petite mèche là pour voir ce que ça donne. Donc là, je rapproche un petit peu plus. Bon, déjà, elle a les cheveux très sombres. Donc, du coup, on voit pas très bien. Voilà, mets ta tête comme ça, super. Donc là, j'allume. Et on va voir. Ou elle a un nœud. Je vais lui arracher les cheveux. Alors, je sais pas quoi en penser. Sérieux, je vous dis la vérité. Je sais pas du tout quoi en penser. Parce que j'entends que le bruit. Bon, ça veut dire qu'elle en a pas. Hein. J'espère, j'espère. Parce que si t'en as là, je suis dégoûtée par contre. T'as dit que ça me gratte. Par contre, ça fait les cheveux électriques, du coup. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Mais là, on va regarder sur du sopalin avec la petite brosse. Mais je pense pas. Je sais pas. Parce que je sais pas si vous entendez dès qu'on touche. Après, ça craint rien. Hein. C'est pas électrique sur les doigts. Hein. Mais je sais pas du tout. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Je sais pas si ça marche, si ça marche pas. On va quand même regarder sur le sopalin ce que ça donne. Donc là, je prends la petite brossette. Normalement, c'est comme ça. Et normalement, s'il y a quelque chose, ça devrait... Mais bon, il n'y a rien. Tant mieux. Y a rien. Bon, peut-être j'aurai sur le côté.
Pourquoi t'en auras sur le côté? Parce qu'on en verra, parce que des fois ça me gratte dans le côté, mais pas en dessous. Où? Où sur les côtés? À gauche ou à droite ou au milieu. Bon, on va tester le milieu, on va voir ce que ça donne. Donc du coup, on va tester sur la partie où elle me dit que ça gratte. On va voir. Mais c'est très léger, hein. On dirait un jouet, hein, franchement. Je suis en train de lui arracher les cheveux, là. Elle a des nœuds en fin de truc, là. Non, je crois que tu as rien. Soit on essaye au milieu, soit on essaye à droite, ça. Bon, c'est bon, si t'en as pas sur les côtés, c'est que tu dois pas en avoir. Ouais, peut-être. Hop. Bon, allez, on repasse sur le côté, on va voir ce que ça donne. Alors, hop, je refais la même chose. Bon, perso, je suis contente, elle en a pas. Après, je sais pas, franchement, je vous dis la vérité, je sais pas du tout si ça marche ou si ça marche pas. Parce que c'est très très léger. Alors là, pour le coup, je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, hein. Mon avis, top ou flop. Entre les deux, parce qu'on entend le son, le truc électrique, mais est-ce que ça marche vraiment? Peut-être pour celles qui en ont. Il faudrait que je trouve un enfant qui ait des poux pour voir si ça marche bien. Mais bon, sinon après il fait le son électrique et tout, vous pouvez même l'utiliser sur vos animaux. Et là on va poser la question à Lina, voir si ça lui fait mal ou pas. On va passer juste à côté. Donc là on se retrouve avec Lina, notre cobaye, et on va lui poser quelques questions pour voir si ça lui a fait mal, si et tout ça. Donc est-ce que Lina, est-ce que ça t'a fait mal à tes cheveux? Non. Non, pas du tout? Non, pas du tout. Parce que vu que c'est un peigne électrique, est-ce que t'as eu de l'électricité sur ta tête? Non. Non, pas du tout? Non. Donc, déjà, bonne nouvelle, tu n'as pas de poux. Oui. Tant mieux. Oui. Tant mieux pour toi. Ouais. Tant mieux pour moi. Je peux t'en donner des poux. Ah non, merci, j'en veux pas. Donc, voilà. Alors, est-ce que pour toi, le produit Action, donc, hop, le peigne, est-ce que ça, c'est bien ou c'est pas bien? C'est elle qui va nous donner son avis. Je trouve que c'est un petit peu bien. Ouais. Et pourquoi ça serait pas bien? Si c'est un petit peu bien, c'est que l'autre c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est il avait pas les piles et si elle mettait les piles, bah si elle met pas les piles, bah ça va pas marcher. Voilà, tout simplement parce que Action n'a pas fourni la pile. C'est pour ça que c'est pas bien, c'est parce qu'Action n'a pas fourni la pile. Sinon le reste, elle valide. Bon déjà d'une parce que ça lui fait pas mal. De deux, bah la sensation électrique. À mon avis, c'est plus pour les poux ou les lentes, parce qu'à ce qui paraît, ça enlève les lentes aussi. Donc, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'elle valide. Mais vu qu'elle en a pas, enfin, j'espère qu'elle en a pas. Donc, elle, tu le valides? Ouais, je valide. C'est validé? Validé, vraiment. Ok. Donc, voilà les amis, la vidéo se termine ici. En espérant que j'ai pu te convaincre, hein. Non, plutôt que Lina, parce que c'est la chaîne Lina pas organisée. Est-ce que Lina, je crois que tu les as convaincus ou pas? Non. Non, tu crois que t'es pas convaincante? Non. Non, ils vont pas l'acheter ça? Je ne sais pas. Tu sais pas. Donc, on sait pas si vous allez l'acheter ou pas. Bah, en attendant, on vous fait... d'énormes bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.